tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie des cheveux manga. Donc là, ce sera pour les garçons. Donc je vais vous montrer deux manières différentes. Donc pour faire de face et une comme ça. Parce que ben ça dépend la coupe du garçon tout simplement. Donc là, on va commencer. Donc si le garçon a un peu les cheveux rasés, si on peut dire ça comme ça, ou qu'il les met en l'air. Donc déjà, on va commencer donc par tracer les oreilles. Donc voilà, donc je vous fais un truc très schématique. Et comme je l'ai dit dans les filles, faites-le d'abord au crayon et repassez après. Mais moi, je le fais pour que vous voyez mieux. Voilà, donc là, je vais partir là. Voilà. Et donc pour la mèche, donc je vais faire un truc très ras. Donc moi, je fais comme des petits à-coups en fait. Pour faire comme des sortes de triangles. Donc après, ça dépend des garçons, mais parfois ça va partir comme ça. Enfin, voilà. Donc, voilà, je vais le faire de ce côté. Pour que vous compreniez mieux. Donc oui, il aura deux côtés différents, c'est pas grave. Mais c'est juste pour vous expliquer, hein, voilà. Voilà. Et après, bah, donc vous faites comme des sortes de petits pics, en fait. Après, ça dépend vraiment de la coupe. Moi, je vais faire comme si elle avait les cheveux rasés, mais... Bah, voilà. Pas rasé, enfin, pas trop long, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Là, on va faire les pics comme bah, pour les filles. Ceux qui ont vu le tuto des filles. Voilà. Donc là, j'ai fait un peu la tête aplatie, hein, mais en gros, faudrait faire un peu plus bombé, si on peut dire ça comme ça. Comme je disais, voilà, faites les cheveux un petit peu plus bombés. J'ai été coupée par ma soeur, si vous voulez savoir. Voilà, donc là je vais vous montrer, donc si le garçon a les cheveux un petit peu plus longs, donc on va lui faire une mèche, du coup. Bon, là on peut faire des oreilles quand même, donc on va faire des oreilles. Bon, ça va pas être très symétrique, hein, mais voilà. Donc, comme les filles, moi je pars du milieu. Après, c'est vraiment comme vous préférez, il y en a qui préfèrent partir du côté directement, moi je préfère partir du milieu et partir des côtés après. Mais voilà, enfin c'est vraiment... comme vous voulez. Donc la mèche des garçons généralement elle est plus courte. Bon, après ça dépend vraiment des garçons. Hein. Ah, voilà, moi j'aime bien c'est faire des petites mèches comme ça quand ils ont les cheveux un petit peu longs. Et donc bah, après, hop, vous pouvez partir du cou. Voilà, donc là je fais la poussée de cheveux et je fais partir de ce côté. Voilà, donc là je vais vous faire pour un garçon donc sur le côté, donc je vais lui faire une mèche. Voilà, comme ça. Donc je fais comme des pics arrondis, comme j'ai dit dans l'autre vidéo. Voilà, là j'ai fait une mèche un peu plus longue. On va faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, donc là j'ai vraiment fait un garçon qui a les cheveux un petit peu plus longs que les deux autres. Et voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura été utile et je vous dis à bientôt donc pour une nouvelle vidéo. Bye bye!